Alors, pasteur Ebenezer Morrison, père biologique de Jonathan Morrison, s'exprime sur ses sorties. Shalom, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Je suis le pasteur Ebenezer Morrison et je suis le père biologique de Jonathan Morrison. J'ai récemment publié « L'eau que tu puisses en saut pour te laver là, c'est pas tout qui verse sur toi ». Et beaucoup n'ont pas compris. J'ai suivi les dernières interviews de mon fils sur PPLK et je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que ma famille, l'église que je dirige et moi ne nous reconnaissons pas dans les agitations de Jonathan. Il est majeur et responsable de ses actes. En Côte d'Ivoire, on dit « conseil ne conseille pas, c'est conséquence qui conseille ». Que ceux et celles qui savent lire entre les lignes comprennent. Dieu nous bénisse davantage. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que tu as reçu les propos de ton géniteur sur les réseaux sociaux? Avant de continuer, je veux que vous parliez aussi du tout dernier post qu'il a fait par rapport à ça. D'accord, on va est-ce que vous avez ça? On va y revenir, on va parler de ça d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. On va revenir. Vous allez montrer la capture aussi. Hein. On peut en parler. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que j'ai pris ça? Bon, vous savez, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans les actes de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'espère en tout cas qu'il ne va pas se reconnaître aussi jusqu'au bout. Hein. C'est tout. Jusqu'au bout. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais là, Jonathan, on parle de ton père. Bien sûr. C'est l'homme grâce à qui tu es là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui devrait normalement t'accompagner, te protéger et te donner les clés aussi pour tous tes projets. Comment tu expliques qu'il s'exprime ainsi? Je ne peux pas expliquer. Il va falloir l'inviter sur le plateau si vous voulez savoir pourquoi il s'exprime aussi. Mais ça, tu as sûrement... Moi, j'ai reçu la capture d'écran comme tout le monde. Et après la capture, tu n'as pas parlé à ton père, tu n'as pas essayé de savoir un peu pourquoi il avait réagi comme ça, parce que je suppose que vous parlez. Bon, là maintenant, ça entre dans les choses privées, voilà. Il y a eu des choses, mais je ne veux pas entrer dans ces détails-là ici. Mais je veux vraiment qu'on mette quand même aussi, parce que les médias ont l'habitude... Dans ce cas-là, parlons-en, comprenons, essayons déjà de comprendre. Non, mais là, déjà, on veut bien en parler, n'est-ce pas? Parce qu'après quelques semaines, on m'a aussi envoyé une capture d'écran où il a rectifié tout ce qu'il a dit. On t'a envoyé, ça veut dire que tu ne le suis pas sur les réseaux? Moi, je ne le suis pas. Je suis personne. Même ton père, tu ne le suis pas sur les réseaux? Je suis personne. Personne du tout. Mais c'est pas parce que... C'est pas pour... Il n'y a pas de raison, en fait. Je suis personne. D'accord. La seule personne que je suis, c'est mes pages et puis... Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec les autres membres de ta famille en dehors de ton père? Tout se passe bien. Tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, tout se passe bien. Mm-hmm. D'accord. Et principalement ta mère, le type de rapport que vous avez? De bons rapports. On a de bons rapports, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle pense justement de ces beaux projets que tu as pour les Ivoiriens? Tu lui en as parlé, je suppose. Même si tu ne lui en as pas parlé, elle voit. Elle voit. Je lui ai pas donné des détails. Je lui ai dit que très bientôt tu seras fier de moi, juste regarde, en fait, c'est tout. Et quelle est la réponse qu'elle t'a donnée? Elle a dit il n'y a pas de problème, aussi longtemps que tu es safe, c'est tout ce qu'elle veut que je sois bien, c'est tout. D'accord, mais est-ce que finalement tu peux dire que tu as véritablement le soutien de ta famille dans tout ce que tu fais? J'ai le soutien de ma famille, véritablement, c'est lourd. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, en fait. Pourquoi on ne sait jamais? C'est la famille. Donc, la famille est censée soutenir dans tous les projets que les autres font. Ma famille me soutient. Je suis là, je suis avec ma famille. Là, si je ne suis pas au travail, je suis avec ma famille. Donc, quand vous dites véritablement le soutien, véritablement, c'est lourd. Ça veut dire que... Tu ne peux pas savoir les intentions de quelqu'un derrière. Quelqu'un peut te montrer qu'il te soutient, mais tu ne sais pas par ses actes, mais tu ne sais pas. Donc, pour être vrai, je ne vais pas mettre ma main au feu pour dire que j'ai véritablement le soutien de quelqu'un. J'ai toujours mes gardes, en fait. Ah, tu es toujours sur tes gardes? Je suis toujours sur mes gardes. Avec ta famille? Avec ta famille. Avec tout le monde. On a l'impression que tu es un peu blessé. Je ne suis pas blessé. Tu as été blessé par... Je ne suis pas blessé. Mais pourquoi tu es autant sur tes gardes? Qu'est-ce qui te rend aussi suspicieux? Faire attention. Je suis un homme d'affaires. D'accord. Je suis un homme d'affaires. Mais de bonnes affaires au moins. Bien sûr. C'est louche qu'on devient aussi suspicieux. Non. D'accord. Jonathan, c'est vrai que tu es un homme d'affaires, mais tout homme d'affaires fait aussi confiance.
on n'a pas encore parlé de confiance. Mm-hmm. Être sur ses gardes, tu ça dis pas que t'es dire sur tes gardes, ça veut dire que tu... Être sur ses gardes, ça veut pas dire qu'on ne fait pas confiance. Ça veut dire que tu fais pas totalement confiance à ta famille. Tu es sur tes gardes parce que tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Je suis sur mes gardes que tu avec as dit. Tout le monde. Tu es un bon, c'est un homme d'affaires. Y compris ta famille. Parce que là, on parle de ta famille. Oui, bien sûr. Bien sûr, y compris ma famille. Je suis sur mes gardes. Beaucoup plus même sur ma famille parce que le serpent qui va te mordre ne vient pas d'ailleurs. Wow. Il est toujours là, à côté. Mm-hmm. Donc, je suis beaucoup plus en garde avec ma famille que tout le monde. Alors, Jonathan Morrison, pasteur Ebenezer Morrison, qui dit ceci, je cite, « Beaucoup de personnes m'appellent, m'écrivent pour me demander de prier pour lui parce qu'il s'est éloigné du droit chemin. Je vous remercie de vous soucier de sa vie. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » L'appel divin à servir Dieu n'est pas facile. L'apôtre Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dans le parcours d'un véritable homme de Dieu, il est combattu dans trois domaines de sa vie. Ses finances, sa santé et ses enfants. Quand ce n'est pas la galère qui est son quotidien, c'est sa santé qui prend un coup ou ses enfants qui sont identifiés comme des mauvais exemples. À mes débuts dans le ministère, j'ai eu un songe dans lequel je me suis retrouvée dans une morgue où il y avait plusieurs corps sous des draps blancs, couchés à même le sol. Et chaque fois que je sautais un corps, il se levait. Mais figurez-vous, le dernier corps était celui de mon fils Jonathan. Quand j'ai expliqué le songe à mon père spirituel, il m'a dit que Dieu m'appelle à restaurer des vies, les cœurs, les familles brisées. Ésaïe 61, verset 1, acte 13, verset 47. La présence de mon fils dans ce songe depuis près de 10 ans était pour me prévenir de ce qui se passe aujourd'hui. Quand Jonathan est né le 13 février, en plus du nom de mon père, le révérend docteur Morrison qu'il porte, je l'ai baptisé champion. Il est donc un champion en toute catégorie. Il doit toujours être champion dans tout et marquer sa génération. Comme tout être humain, Jonathan n'a pas que des défauts. Il a aussi des qualités. Il est pétri de talent. Il est un bon batteur et il s'exerce au piano et à la guitare basse. Il a souvent des dérapages, mais c'est de son âge. Et il a besoin de nous tous pour réaliser ses rêves. Il est béni, mais comme le fils prodigue, il est allé goûter au monde, mais il reviendra à la maison. Dieu bénisse davantage la vie de Jonathan Morrison et que toute la Côte d'Ivoire le soutienne dans ses entreprises. Pasteur Ebenezer Morrison. Et cette fois-ci, quand tu as lu cette deuxième capture, quelle a été ta réaction? Je n'ai pas réagi du tout. Du tout? Ouais. Mais après cette deuxième capture, vous vous êtes parlé? Pas encore. Pas du tout, pas encore. J'ai pas encore, on n'a pas encore parlé, même depuis la première capture. Là, maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Mm-hmm. Voilà. Là, maintenant, on peut entrer. Comme... Parce que moi-même, au fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. On ne s'attend à rien ici, ce people. Exactement. Ouais. Je viens de me rendre compte. Je ne m'attendais pas à parler de ça. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et ça, c'est des choses privées, c'est des choses de famille. Et là, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ils se retrouvent, en fait, sur les réseaux sociaux. Ils se retrouvent, voilà, exactement. Donc, il va falloir souvent réfléchir davantage aussi. Voilà, on ne va pas toujours mettre la faute sur quelqu'un à cause de sa position. Voilà, moi, on m'a envoyé la capture comme tout le monde, j'ai vu ça. Ça veut dire que c'est un père de famille qui a réfléchi, qui a pris son téléphone, qui a écrit, qui a corrigé les Est-ce fautes. Que ce n'était pas l'expression d'un ras-le-bol, la ras-le-bol, première capture? Un ras-le-bol par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui se disait sur de toi. Et un ras-le-bol, c'est sur les réseaux sociaux que ça s'exprime en tant qu'un pasteur. Ok. Un pasteur exprime son ras-le-bol. Les réseaux sociaux aussi sont comme un exutoire. Hein. On l'utilise pour s'exprimer, justement. Pour un pasteur. Jonathan Morrison, quelles sont vos relations avec ton père? Quelles étaient vos relations avant cela? Bien. Ça se passe bien. Tout se passe bien. D'accord. Okay. Tout se passe bien. Jusque-là, tout se passe bien. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Espérons que tout se passe bien. Oui, bien sûr. Parce que tu viens de dire que tu ne lui as pas parlé depuis la première capture, la deuxième... Alors que la deuxième, elle est bien, elle vient quand même corriger tout ce qu'il y a. Non, même s'il a dit que tu es... En fait, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, je suis très dur. Est-ce que vous voyez? Je suis très dur, je rigole pas quand il s'agit des choses sérieuses. Voilà. Là, je suis venu, j'ai un plan. Vous-même, vous parlez... Tu as des plans? Des plans. Oui. Qui se regroupent en un seul plan. Un seul plan. Ouais. Voilà. Et vous-même, vous dites là, il y a... tel projet qui est en cours, qu'on attend, comme ci, comme ça. Donc, je n'ai pas le temps pour ces petites choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, c'est pour ça que j'ai tout suspendu. D'accord. Voilà, là, je suis concentré sur ce qui est important. Mm-hmm.
Voilà, 24 heures même ne me suffisent pas. Merci, merci Jonathan. Voilà. En tout cas, on espère ici que vous finirez par fumer le calumet de la paix. Et puis, voilà. On veut voir une belle photo de Jonathan et son papa sur les réseaux sociaux. On va refermer cette... on va refermer cette page. Je vais faire la photo. C'est moi qui vais... je vais être dans le selfie.